Bienvenue dans ce 7 minutes. Au sommaire, le monde célèbre la Journée internationale de la jeunesse le samedi 12 août. À cette occasion, les jeunes ivoiriens ont exprimé leurs attentes vis-à-vis des autorités du pays. Assalé Tiemoko monte au créneau. Le député maire de Tiassalé accuse le préfet de sa circonscription de soutenir un candidat RHDP. Tidjane Thiam à Abidjan pour présenter ses condoléances aux familles éplorées du PDCI RDA. Il a rendu visite aux veuves d'Henri Conan Bédier et de Wassenon Koné. Voici pour le sommaire. Feu vert. On peut désormais circuler sur le pont à Auban de Cocody. L'ouvrage attendu avec impatience a été inauguré samedi 12 août 2023 par le président de la République Alassane Ouattara. Mesdames et messieurs, d'un coût global de 113 milliards de francs CFA, ces travaux ont été réalisés sur une période contractuelle de 45 mois par l'entreprise CMBC et contrôlée par le groupement des consultants LCI, TEC4 et Yoshi. La réalisation de ce pont a nécessité d'importants moyens humains et matériels. Au total, ce sont environ 3 000 emplois qui ont été générés par ces travaux qui se sont déroulés souvent de jour et de nuit et 7 jours sur 7. Le financement du projet a été assuré par le concours de la Banque islamique de développement, un partenaire technique et financier qui a aussi contribué au financement du projet d'aménagement et de valorisation de la baie de Cocody dans sa globalité. Après plusieurs propositions, le viaduc portera finalement le nom du chef de l'État. Il a été baptisé pont Alassane Ouattara, comme l'a souhaité le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Koffi Kouakou. À partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus à passer un temps incalculable entre le plateau et Cocody. En seulement 5 minutes, on m'a même dit que ça fait 4 minutes, vous relierez les deux communes à partir de ce pont. En effet, ce pont va décongestionner le trafic sur le boulevard lagunaire. Les membres du gouvernement et les présidents d'institutions ont pu pour la première fois enjamber l'ouvrage long de 1600 mètres. 50 000 véhicules sont attendus chaque jour sur ce pont à Auban. Le 12 août de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de la jeunesse. Elle permet d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les problématiques liées à la jeunesse, ainsi que de mettre en avant le potentiel des jeunes en tant que partenaires de la société actuelle. En Côte d'Ivoire, l'année 2023, entièrement consacrée à la jeunesse, est une occasion pour les jeunes de s'adresser aux autorités du pays. Le point de vue de la jeunesse n'est pas vraiment considéré en Côte d'Ivoire. On n'écoute que les dirigeants, les hommes politiques, voilà. La vie de la jeunesse n'est pas pris en compte. Et ça, c'est vraiment dommage. Selon moi, je veux que les autorités puissent mettre en place certaines formations pour aider la jeunesse. Parce qu'ils ont dit que cette année, c'est l'année de la jeunesse. Mais apparemment, on ne voit rien par rapport à ce qu'ils ont dit. Et je veux aussi qu'ils puissent s'engager aussi pour la santé et puis pour la formation. Pour cette année dédiée à la jeunesse, le président de la République prévoit l'amélioration de l'employabilité du système de formation professionnelle et universitaire. La situation sociopolitique à Tiassalé ne serait pas au beau fixe et augure un avenir de crise selon Assalé Tiemoko. Le député maire de la ville accuse le préfet de sa circonscription de s'ingérer dans les affaires politiques au profit d'un candidat du RHDP, membre du conseil municipal. On dit que les préfets ne peuvent jouer aucun rôle dans l'organisation des élections dans notre pays. Cela n'est vrai qu'en théorie. Mais dans la pratique, un préfet conditionné, un préfet partisan et militant peut jouer un rôle majeur dans le processus électoral de notre pays. C'est le cas du préfet de Tiassalé. Le candidat du RHDP à l'élection municipale à Tiassalé est un conseiller municipal. Mais en 5 ans, alors qu'il est chaque semaine dans la ville, il n'a jamais mis les pieds à une réunion du conseil municipal. En 5 ans. En organisant cette conférence de presse, le premier magistrat de la commune de Tiassalé prend l'opinion publique à témoin, tout en réitérant son engagement à candidater pour les prochaines élections municipales prévues le 2 septembre prochain. Dans son adresse aux journalistes, Assalé Tiemoko dit avoir saisi les chancelleries en Côte d'Ivoire, les associations des droits de l'homme et Amnesty International pour que justice soit faite et que le droit soit respecté dans l'intérêt de tous.
Le décès d'Henri Conan Bédier a poussé Tidjane Thiam à rentrer au pays. Dès son arrivée en terre ivoirienne le jeudi 10 août, le cadre du PDCI s'est rendu au domicile d'Henriette Conan Bédier, la veuve du Sphinx de Daoukro. La rencontre a été marquée par une longue étreinte, empreinte d'émotion. Après la famille Bédier, Tidjane Thiam s'est rendu au domicile de Wassenan Koné pour présenter ses condoléances à sa veuve et aux enfants. Dans l'après-midi du vendredi 11 août, le cadre du PDCI RDA s'est rendu chez Kopli Boni, président par intérim du vieux parti de Côte d'Ivoire. Très ému de cette visite, l'intérimaire de Bédier, par son porte-parole Yoman Boniface, a exprimé sa joie de recevoir son fils, qui a dit être venu lui présenter ses condoléances suite au décès du président Bédier. Il a aussi noté qu'il se mettait à la disposition pour toute mission qu'il lui confierait. Prenant congé de son hôte, le ministre Thiam, par son porte-parole William Aldo, a dit l'honneur ressenti par le ministre et sa délégation composée de son aîné Aziz et sa sœur Yamoussou. Vêtu de noir, bougie en main. Les couches sociales de Daoukro, ville natale d'Henri Conan Bédier, effectuent une marche silencieuse, rendant hommage au défunt président du PDCI RDA. Son départ a été plus, ça a frustré en tout cas la jeunesse de Daoukro et la population. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes venus avec nos bougies, avec des fleurs, pleurer notre père, notre grand-père, son excellence, M. Henri Conan Bédier. Vraiment que son âme repose auprès de son créateur et que Daoukro soit toujours heureux et soit comme le père, comment dirais-je, Henri Conan Bédier l'a construit. Il faudra que nous vivions parfaite harmonie, en cohésion et en fraternité, comme le père fondateur nous a toujours dit. Et donc, je tiens à dire merci à la population de Daoukro. Merci à tout le monde. Vive la cohésion. Paix à son âme. Repose en paix à Henri Conan Bédier. D'autres manifestations d'envergure sont également prévues au niveau national pour honorer la mémoire du digne fils de Daoukro.